Showcase vous est proposé avec le soutien du ministère de la Culture et des Médias. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Showcase. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yann et de Renaud, deux membres du groupe Icons. Comment ça va les gars? Ah, super. Super, aujourd'hui super. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver enfin une scène? Bah, c'est un grand plaisir, on est vraiment content de pouvoir repartager, revenir avec des instruments, faire de la musique, c'est quand même l'essence de notre projet, de revoir les techniciens, d'avoir un peu voilà, toute cette communauté et cette effervescence qui redémarre. Alors, j'ai l'impression de l'extérieur que vous vivez une période un peu paradoxale. J'ai l'impression qu'au niveau de la promo, vous faites un vrai boom, et comme le reste du secteur culturel, vous êtes pourtant à l'arrêt. Exactement, ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que on a pris le pari de sortir quelque chose de nouveau, de revenir avec vraiment une toute nouvelle chanson et de devoir la défendre au moment où personne ne le fait, en fait. Ce qui veut dire qu'on a énormément de promos en ce moment et que ça marche très, très bien. On a beaucoup de visibilité. Mais effectivement, on n'est pas en concert, on est encore à l'arrêt et on se réjouit de pouvoir voilà, reproposer quelque chose aux gens. Mais on se réjouit surtout de les revoir en vrai, tout vrai. Les gens, vos fans, votre communauté, et on sait qu'elle est importante, de quoi doit-elle se réjouir dans les prochaines semaines, prochains mois? Comme tout le monde, sentiment universel de quand est-ce que ça se finit ce bazar, qui nous lâche un peu ce virus et qu'on peut revivre ce qu'on a vécu avant dans l'innocence et le fait de profiter de l'instant présent, comme on est en train de faire maintenant, échanger pour de vrai. Voilà, on se réjouit tous, je pense, de pouvoir revivre un peu comme avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons du groupe actuellement? Bah nous, on a pas mal de choses qui arrivent. Comme Renaud disait, on a des concerts qui viennent. On voit un petit peu le bout du tunnel. On a la release de La Madeleine, où on va sortir notre nouveau bébé. On va ressortir des nouvelles chansons, etc. Ce sera le 22 mai. Et puis, on a des festivals qui commencent à se booker. Il y a le Feel Good, il y a les Francofolies de Spa. Voilà, c'est des super choses à venir. On croise vraiment les doigts pour que tout ça puisse être maintenu et se faire. On croise les doigts pour recroiser les gens et repartager et revivre ce qui nous anime. Faire de la musique. Faire de la musique. Et la singularité de votre projet, c'est évidemment l'énergie que vous mettez sur scène. Et je vous laisse retrouver vos potes, justement, pour défendre votre projet. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Stars were shining through my leaves. You are here with me, turning my wishes into dreams. I can't hear your voice anymore. It's getting blurry. It will only don't.
On passe un bon moment ensemble.
Comme je viens de dire, si tu ressens l'envie de danser sur ton canapé, dans ton divan, peu importe, partout dans la maison, n'hésite pas, mets le volume à fond et tu danses, 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 danses. Find a wonderland with you inside.
only when the fever mounts, when we get delirious. We found the key to the red light district. When we go down in the divine place, when we go down. Why
it suddenly so cold. The car is not so far away. Why, oh why, is it so freezing out? The world is not a bed of roses, 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 roses. Merci à tous les techniciens qui ont permis que ce show soit totalement réalisé dans des conditions extraordinaires. Merci à Oli pour le son, merci à Renaud pour les lumières, merci à Ben au retour, merci à Pierre pour les régies scène. Merci à tous les caméramans, à Védia au Centre culturel de Dizon. Normalement, j'ai oublié personne. N'oubliez pas, on a une release party le 22 mai à la salle de la Madeleine à Bruxelles pour la sortie de notre prochaine EP. Minor Circle. On se réjouit très très fort de vous retrouver sur les réseaux sociaux, mais surtout en vrai, surtout en vrai. Allez, ciao!
Showcase vous a été proposé avec le soutien du ministère de la Culture et des Médias.